Après une longue parenthèse, fait de crise sociopolitique, le Burkina retrouve lentement son souffle et l'on parle toujours réconciliation. Cette fois, c'est le cadre d'Expression démocratique, une coalition des organisations de la société civile qui a décidé d'aller à la rencontre des Burkinabés pour parler de la culture de la paix. La délégation conduite par Pascal Zaïda était ce matin chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Yacouba Gamene Monkoundabiri. La réconciliation des cœurs des fils et filles du Burkina. Telle est la préoccupation du cadre d'Expression démocratique. Cette coalition des organisations de la société civile demande la collaboration de tous. Et le cadre est là pour demander le soutien du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Bien avant l'insurrection, il y a eu depuis les années 83 aujourd'hui des crises, des crimes économiques et des crimes de sang. Vous avez également la situation insurrectionnelle et même la situation de la transition. Et aujourd'hui, il faut qu'on se parle. Et c'est à ce titre que nous avons entrepris, n'est-ce pas, cette démarche participative et républicaine afin d'écouter les charges et de leur également donner ce que nous avons comme mots pour soigner ce pays et aussi voir dans quelle approche on peut ensemble trouver des voies et moyens pour relancer ce pays tant au plan social qu'au plan politique et économique. Dans les prochains jours, Pascal Zaïda et les siens comptent étendre leur démarche à d'autres acteurs de la scène politique et de la société civile avec pour objectif de distiller le même message.